Bonjour, je suis Chantal de Némoilax et aujourd'hui je vous présente ma chronique sur les mémoires akashiques. Alors qu'est-ce que l'akasha? Ça vient d'un terme sanskrit. Le sanskrit est une langue indo-européenne très ancienne et ça signifie la substance primordiale. C'est également l'éther, le cosmos, le vide, l'espace. En fait, ce n'est pas du vide, c'est un champ informationnel, vibratoire. Même les scientifiques reconnaissent ce champ akashique. D'ailleurs, je vous invite à regarder des conférences de Philippe Guillemant, ingénieur physicien français qui travaille au CNRS et qui a fait différents travaux, et entre autres sur le champ akashique. Alors, qu'est-ce que c'est en fait les mémoires akashiques, les annales akashiques, les archives akashiques? Eh bien, c'est l'enregistrement de chaque âme depuis sa création jusqu'à maintenant, de ses pensées, de ses émotions, de ses expériences. Voilà. Alors, les cultures et les religions également parlent de cela, de. Voilà, depuis longtemps, en fait, ça s'appelle par exemple le livre de vie dans la Bible, le livre des morts pour l'Égypte antique, ça s'appelle également la bibliothèque universelle. C'est pour ça que certains appellent les gardiens de l'Akasha, et bien, les gardiens des archives akashiques, ils les appellent les bibliothécaires. C'est également la mémoire de la nature, l'âme du monde, le temple de la connaissance, enfin voilà, ça a divers noms, mais ça représente la même chose. Alors comment peut-on accéder aux archives akashiques? Bien, il y a différentes manières. Vous pouvez y accéder par une méditation profonde, par la transe, par les rêves également. Et personnellement, j'y accède par une prière sacrée qui a été transmise par les Mayas. Cette prière m'a été transmise par Don Ernesto Ortiz. Donc j'ai suivi ces quatre séminaires sur les archives akashiques. Si vous souhaitez d'ailleurs en savoir un petit peu plus sur la façon dont cette prière nous est parvenue, eh bien je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les mémoires akashiques et pendant laquelle j'explique plus en détail tout cela. Et vous pouvez la retrouver sur mon site internet nimrelax.fr ou bien sur ma chaîne YouTube Nimrelax ou encore sur ma page Facebook @nimrelax. Voilà. Alors, que pouvez-vous attendre d'une lecture de vos archives akashiques? Eh bien, ça peut vous permettre de trouver un certain apaisement, une certaine sérénité, connaître l'origine d'un blocage émotionnel, pourquoi par exemple vous tombez toujours sur le même genre de personne, pourquoi vous avez toujours des relations compliquées avec vos collègues ou votre employeur, enfin bon, différents problèmes, différents blocages. Également, si vous souhaitez savoir si vous orientez vers la bonne activité, ou si, voilà, si vous êtes dans le doute ou si vous, carrément vous ne savez pas du tout, enfin, ça peut vous aider à vous orienter donc dans la vie. Et il faut savoir que les seigneurs d'Akasha répondent à qui vous êtes, enfin répondent à la question en fonction de votre posture intérieure au moment de la lecture de vos archives akashiques. C'est-à-dire de vos pensées, de vos ressentis, de comment vous vous sentez à ce moment-là, de là où vous en êtes sur votre chemin de vie. Eh bien, il y a un chemin plus probable qui se dessine devant vous. Il y en a plein de potentiels, mais il y en a un plus probable en fonction de ce que vous êtes ici et maintenant, au moment de la lecture de vos archives. Et c'est celui-ci qui m'est transmis par les seigneurs d'Akasha, vos guides, votre âme, votre ange gardien, enfin voilà, par les êtres spirituels qui sont là et qui me transmettent les réponses.
Comment je reçois justement vos réponses? Eh bien, elles me sont transmises sous forme d'images. Donc, par exemple, si ça concerne un blocage et qu'il y a eu soit dans une vie karmique, hein, dans une vie antérieure, ou bien dans votre toute petite enfance, il peut y avoir une personne qui est concernée également. Donc, à ce moment-là, je vous vois, vous deux, vous et cette personne-là. Et je suis, en fait, je suis en vous. J'ai vos pensées, vos idées, vos ressentis au moment du blocage et également de la personne. Du coup, le fait d'avoir ces explications peut vous permettre de tirer un trait sur cette expérience. Et également, si vous avez besoin de travailler encore dessus, parce qu'il y a des conditionnements qui se sont mis en place suite à ce blocage émotionnel, eh bien, le fait de l'avoir mis en lumière, au moment où vous allez réagir selon ce conditionnement, eh bien, vous pouvez vous dire stop, là, je suis en train d'agir selon ce conditionnement, selon cet automatisme, mais est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite moi au fond de moi? Et à ce moment-là, ça vous permet de vous poser et de réfléchir, est-ce que oui ou non, c'est bien la direction que je souhaite prendre? Et au moins, vous reprenez votre vie en main. Également, j'ai souhaité proposer la libération karmique lorsque un blocage vient d'une vie antérieure. Une libération également de l'enfant intérieur, si ça vient de votre toute petite enfance, ou bien une libération transgénérationnelle, car nous avons également des fardeaux qui nous viennent de notre lignée, en fait, hein, des fois des secrets, des non-dits, ou voilà, des choses qui nous viennent de notre lignée que nous avons accepté de prendre sur nous, en nous incarnant dans cette lignée, mais en fait cela ne nous appartient pas et il est temps de nettoyer tout ça et de nous en libérer. Alors comment se passe une séance de vos archives akashiques? Eh bien au moment du rendez-vous, je vous demande votre adresse mail. Cela me permet de vous envoyer des documents, un document qui vous explique ce qu'est l'akasha, ce que sont les archives akashiques. Un document qui vous donne des exemples de questions que vous pouvez poser. Et puis également un document qui vous demande l'autorisation d'accéder à vos archives akashiques. Car effectivement, ce sont vos archives, ça vous appartient. Et donc, pour cela, j'ai besoin de votre autorisation. Ce dernier document, bien sûr, doit m'être renvoyé, complété, daté et signé avant la séance. Et les quelques jours qui séparent donc le moment du rendez-vous et la séance, eh bien, je vous invite à garder près de vous un papier, un crayon, de façon à noter les questions qui peuvent vous venir au fur et à mesure. Hein. Tout d'un coup, vous dites, ah oui, tiens, j'aimerais bien poser cette question-là également lors de la séance. Voilà. Comme ça, vous notez les différentes questions. Et lorsque c'est le moment de la séance, eh bien, vos questions sont prêtes. Et ça permet de gagner du temps. Alors la séance, comment elle se passe? Eh bien, ça peut se passer à distance, en visio. Et puis, sinon, vous pouvez bien sûr être ici physiquement dans le cabinet à Nîmes. Dans tous les cas, nous sommes face à face. Et donc, je vous demande de vous centrer intérieurement, et moi également. Et puis, de nous relier de cœur à cœur. C'est très puissant, vraiment. Et ensuite, je dis la prière sacrée pour pouvoir accéder à vos archives akashiques. Une fois que j'ai accès à celles-ci, eh bien, voilà, vous commencez à poser vos questions. Et à la fin de la séance, je referme vos archives akashiques et nous pouvons parler un petit peu de vous, ce que cela vous apporte, ce que cela vous fait comprendre, etc. Et cela peut me permettre également d'avoir de nouvelles compréhensions des images qui m'ont été adressées. Donc, du coup, je vous fais part de ces nouvelles compréhensions. Je vous donne également un verre d'eau parce que l'eau permet de nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être.
et d'ancrer les nouvelles informations. Il est bon d'ailleurs pendant les 2-3 jours qui suivent la séance de boire beaucoup d'eau justement pour cela. Je vous demande également d'éviter pendant les 2-3 jours qui suivent la séance de prendre des médicaments allopathiques si une réaction physique a lieu suite à la séance. Effectivement, vous pouvez avoir mal à la tête, par exemple, mal au ventre, être très fatigué, avoir des émotions qui remontent. Et donc, dans tous les cas, éviter les médicaments allopathiques parce que cela, comment dire, stopperait net en fait les nettoyages qui est en train de se faire. Donc, si vous avez mal à la tête, eh bien, je vous invite plutôt à mettre une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, par exemple, sur votre index, sur vos index, et de masser vos tempes et le front. Vous le faites 2-3 fois dans la journée. Si vous avez mal au ventre, eh bien, je vous invite à vous allonger, à mettre quelque chose de chaud sur votre ventre pour aider à passer donc ce mal de ventre. Si vous êtes très fatigué, eh bien, de vous poser, même si vous n'avez pas trop la possibilité, même juste 5 minutes, de vous poser, de fermer les yeux, de faire le vide, voilà, pendant 5 minutes. Et si vous avez plus de temps devant vous, eh bien, de vraiment stopper ce que vous êtes en train de faire, de vous poser pendant un quart d'heure, une demi-heure, en fonction de vos possibilités, voilà. Et puis, si vous avez des émotions qui remontent, si vous avez besoin de pleurer, eh bien laissez couler vos larmes parce que c'est un excellent nettoyage. Si vous avez besoin de crier, de hurler et que vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas en pleine nature, eh bien vous prenez un oreiller et vous hurlez dedans. Enfin, voilà. De vraiment laisser exprimer toutes vos émotions. Alors, ce que je peux dire également, c'est que les archives akashiques se sont invitées, si on veut, lors des soins énergétiques que je propose aux personnes. Voilà, donc je travaille sur la tête globalement et sur les chakras, hein, gorge, cœur, plexus solaire, sacré, racine. Donc on me montre l'état du chakra sous forme. C'est imagé, bien sûr, ce sont des métaphores. Et par exemple, s'il y a une tempête dans le crâne, eh bien, je fais en sorte d'apaiser la tempête jusqu'à ce que le ciel soit clair, serein, etc. Alors, bien sûr, il faut savoir que je ne suis que canal. En fait, ce sont les êtres spirituels qui font le travail à travers moi, bien sûr. Depuis un peu plus d'un an maintenant, je reçois également des images concernant une vie antérieure ou votre toute petite enfance. En fait, des blocages, voilà, qui peuvent émaner d'une vie antérieure ou de votre toute petite enfance. À ce moment-là, bien sûr, j'apaise également du mieux possible votre fragment d'âme, c'est-à-dire la personne qui a vécu donc cette vie antérieure et qui a cette souffrance, ce blocage et qui l'a amené en fait dans cette vie-ci, ou bien votre moi lorsque vous étiez tout petit. Hein, votre enfant intérieur au moment de ce blocage-là. Je l'apaise du mieux possible de façon à lui faire comprendre que ben maintenant, voilà, c'est passé, que vous avez évolué, que vous avez grandi, etc., et qu'il est temps de s'apaiser. Ce n'est pas forcément suffisant pour permettre à cette blessure de partir complètement. Et j'ai remarqué que si les seigneurs d'Akasha, si votre équipe spirituelle, c'est-à-dire votre âme céleste, votre moi supérieur qui est une parcelle de votre âme
parce que votre âme entière ne pourrait pas s'incarner dans votre corps physique. Donc une parcelle de votre âme s'incarne dans votre corps et c'est ce que j'appelle votre moi supérieur. C'est également votre ange gardien et vos guides spirituels. Voilà, c'est ce que j'appelle votre équipe spirituelle. Donc, s'il me communique ces blessures, donc soit d'origine karmique, soit d'origine de votre toute petite enfance, c'est parce qu'elle est importante et qu'il est bon de nettoyer tout cela. Et j'ai remarqué que même des personnes qui ont l'habitude de faire un énorme travail sur elles-mêmes n'arrivent pas forcément à faire ce nettoyage par elles-mêmes, parce que souvent c'est un blocage émotionnel important. C'est pour ça que je propose également donc la libération karmique, la libération d'enfants antérieurs, éventuellement la libération transgénérationnelle. C'est pour vous permettre de nettoyer plus en profondeur voilà, cette blessure et plus rapidement éventuellement. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait une vidéo hein, donc sur les mémoires akashiques plus en détail. Si vous souhaitez aller la visualiser, n'hésitez pas, elle se trouve sur mon site internet nimrelax.fr à la page soins énergétiques et lecture des archives akashiques. Également sur ma chaîne YouTube Nimrelax et sur ma page Facebook @nimrelax. Donc n'hésitez pas. Allez faire un petit tour. J'espère que cette chronique vous a apporté quelques réponses à vos questions et que vous aurez peut-être envie de tester une lecture de vos archives akashiques. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.